Les jours d'été à la bibliothèque, nous commençons quand nous revenons, bien que mon cœur soit fermé. Les longues rayons du programme échantillon. Comment Dieu me font sentir comme si j'allais en circonscription. J'essaie d'organiser les livres, mais ce sont d'espérer dans les répétitions constantes de partir et de revenir. Si seulement je pouvais me câbler, peut-être que je soulagerais ma crainte existentielle, bien qu'elle est grosse. Comment ont-elles répliqué mon âme? Je ne peux pas résoudre le puzzle de la façon de survivre jusqu'à l'automne. Est-ce que je pourrais empêcher le drainage scolaire d'été? Je ne sais pas. Le grain d'histoire constant s'habillait sur mon âme. Pourtant, je dois persévérer dans mes larmes de fatigué. Je peux me substituer à l'histoire de l'enfant d'un bas âge, mais ils savent que je ne suis pas leur bibliothécaire pour enfants bien-aimés. Je suis une fraude à être évitée. J'essaie de cacher mes crayons et mon épuisement littéralement sous mon bureau, mais les personnels, ils entendent ce que je fasse des choses comme le travail. À quoi ne pouvons-nous pas être? Et alors que la bibliothèque ferme mes yeux aussi parce que je suis super épuisée, sachant que demain, nous commençons le cycle encore une fois. Mais je vais prévoir quand je suis bibliothécaire publique pendant l'été.